Salut, allez, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tout autre sujet, on va faire un petit peu d'aviation, on va aller sur Flight Simulator 2020 pour l'occasion du DLC Maverick qui est, je rappelle, totalement gratuit. Donc il y a plusieurs défis, c'est l'objet de cette vidéo, le premier défi que je vais vous montrer en vidéo. Donc on va laisser un petit peu le DD1 de côté pour se concentrer sur ce OTAS, donc c'est le Thrustmaster, hop. Vous allez voir, je vous mettrai en gros plan, de toute façon, sur l'incruste de la vidéo. Alors le but ici, c'est juste de vous proposer un petit peu un aperçu. Alors ce sera en VR, désolé pour ceux qui n'apprécient pas, mais encore une fois, la simu aérienne, c'est en VR ou c'est rien du tout. Le gros avantage sur ce Flight Simulator, qui est très bien pensé, c'est qu'on peut, en deux touches, basculer du plein écran, donc écran standard, au mode VR. Donc, encore une fois, on se dit toujours, je reviens sur la simulation automobile que je fais plus particulièrement sur la chaîne, c'est assez chiant, c'est pas plug and play, c'est compliqué. Je comprends pas pourquoi on peut pas faire la même chose sur différents jeux. Alors certes, ça n'a pas été programmé de la même façon, c'est pas les mêmes développeurs, c'est pas les mêmes moteurs graphiques, mais là, Asobo, c'est le développeur s'est très bien débrouillé parce qu'ils ont réussi à basculer sans changer les paramètres, sans rien faire, sans redémarrer le jeu, à basculer de l'écran à la VR. Et le son suit également. Donc, je veux dire, c'est faisable. Donc, on croise les doigts pour les prochains Rain Sport ou Assetto Corsa 2, que ce soit également possible, parce que des fois, ça peut être très pratique. Voilà, en gros, donc je vais vous présenter, on va aller dans le jeu directement. Les défis, il doit y en avoir 6 ou 7, et je vais vous montrer un petit peu le premier défi. C'est très rapide, franchement, c'est pas très long. Encore une fois, je peux pas vous donner mon ressenti sur la VR, parce que de toute façon, moi, c'est difficile de m'en sortir. C'est juste que bah, ce que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez dans le casque. Je répète, hein, pour ceux qui sont pas habitués à la chaîne et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la VR ou qui ne connaissent pas du tout, et qui peuvent y être intéressés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser les questions que vous pouvez vous poser, j'y répondrai avec plaisir. C'est que bah, sur écran, même si ça peut paraître bouger dans tous les sens, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans le casque. Vous dites pas je suis malade en regardant, donc je vais être malade avec la VR. Non, c'est totalement différent. Donc encore une fois, et puis ce casque-là hein, qui ne me lâche pas, hein, le G2 qui est toujours d'actualité. Franchement, j'ai toujours pas trouvé de. Comment dirais-je, de concurrent pour l'instant, surtout à ce tarif-là. Hein, donc voilà, en gros, on attend les prochaines générations en espérant que ben, sur les prochains jeux également, l'optimisation soit de rigueur. Bref, voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve directement in-game. C'est parti! Allez, on se retrouve donc en jeu et vous voyez ici, j'espère, hein, désolé, je fais au mieux en VR, c'est pas toujours simple. Partie Maverick. Et on se retrouve donc dans les différents menus. Il y a formation sur le FA et ici il y a les défis. Donc j'ai déjà fait la formation. C'est un, on va dire, une simple prise en main, un décollage. Alors je regarde juste si on est OK. Alors il y a la musique, tant pis, hein, je risque de me faire strike, mais c'est pas bien méchant. Allez, on met ici les défis. Je vais juste vous montrer donc le premier, la CRIF. Alors le but c'est de passer par des points de passage à faible altitude, mais malheureusement les points de passage j'ai du mal à les trouver. Donc je suis à fond au niveau ici des gaz parce qu'on est déjà lancé quand ça commence. Et comme je disais, bah, j'ai pas, voilà, c'est pas forcément évident. Alors accrochez-vous parce que ça va très vite. En VR je vais essayer de bouger le minimum possible, mais ben, c'est pas simple de piloter cet engin puisque pour braquer il faut vraiment tourner en même temps, enfin je veux dire c'est, il faut braquer l'angle de l'avion. Allez, de vue d'extérieur ça donne ça. Et pour tourner j'ai le palonnier, mais il faut également, voilà, tourner comme ça. Allez, on se remet en vue intérieure. Donc forcément les puristes, ne regardez pas cette vidéo. Je suis un simple amateur de sensations et de VR, donc voilà. Vous voyez, pour tourner, il faut vraiment tourner, enfin, il faut braquer incliner l'avion. On a des reflets du soleil dans les rétros, parce que oui, il y a des rétros sur un avion. Parce que vous voyez, c'est le fantôme. Normalement, il faut le suivre. Alors si vous passez bien les points de passage, il y a des points. Je sais même pas si je passe au bon endroit. C'est ça un petit peu la difficulté. Alors là, vraiment bien, je pense que je ferai une vidéo, un défi ou une vidéo, deux défis. On voit bien l'ombre
sur la terre comme ça. Donc en plus c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Ça fait très longtemps que j'avais pas tourné dessus. Allez hop. On va prendre à droite là ici. Hop. À gauche, et on vire. Oula, je sais pas ce que c'était là, j'ai failli me tuer. On va aller tout droit. Je remets un coup en vue extérieure. Oh, c'est excellent. On est bientôt arrivé à la fin. Oh, allez, monte, 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 monte. Et on pique. Ouh. En VR, t'as l'impression de tout raser. Cette sensation de liberté. Ouais, il y a des petits lags hein, ici. Je pense que vous l'avez vu sur la caméra, sur les cordes. C'est pas bien grave. Allez hop, ici on va chasser un peu. Je peux pas raser plus, hein. Wow, excellent. Et voilà l'arrivée. Hop. Voilà, petite vidéo défi donc basse altitude le premier. Alors les points, je m'en tamponne. Hein, voilà où j'en suis. Mais c'était au moins pour vous présenter un petit peu ce download, cette mise à jour, enfin bref, ce contenu gratuit, ça c'est très étonnant. Merci à Microsoft de nous avoir proposé ça gratuitement. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir les autres défis. Et je vous dis bonne journée. Tchuss.